La première, c'était on a fait défensif de jambes. Je fais trois temps, tu fais trois temps, tu fais que tomber dans le vide. Un, deux, moi arrière, boum, voilà, moi je finis. Deuxième, c'est maintenant je le fais venir devant. C'était on allait au pied. C'est un, deux, trois, moi arrière, boum, sur le retour, on regarde, il est dans le tempo, boum, au pied. Ensuite, j'ai commencé à dire, bon, maintenant, la défensive de jambes, je vais renforcer la touche au pied par un petit travail de battement. Mais le travail du battement, c'est pour commencer à approcher la vraie travail de la parade, d'accord, sur quelqu'un qui fait tomber dans le vide, il faut faire parade des postes. Donc là, on reste toujours dans de la défensive, 1, 2, 3, il fait tomber dans le vide, il riposte, petit écarté, pardon, il ne riposte pas, enfin bon, on ne va pas en parler, d'accord, ça doit s'entendre. Et plus lui, il va vouloir aller tôt, moi je vais sentir qu'il va commencer à aller tôt, je vais partir dedans de temps en temps pour jouer avec lui, hein, pour lui faire la carte ou la six. Bon. Maintenant qu'il le fait bien, c'est-à-dire que là, sa main, je lui fais travailler tard quand même, hein, d'accord. Maintenant, je vais lui faire travailler plus tôt. C'est-à-dire, je vais renforcer son banc arrière de la parade. Hein, commence. Voilà. Un, deux, trois. Et maintenant, tu ripostes. Ouais, bah, fais-moi pas un truc comme ça, fais-moi pas t'écarter. Hein, tu t'emmerdes pas, tu fais l'action qu'on fait. Un, deux, un, quatre. D'accord. Voilà, là, on est dans de la vraie parade riposte. C'est-à-dire que s'il travaille tôt là, moi, à ce moment, je vais pouvoir jouer. 1, 2, je fends. D'accord, là je vais commencer. Si je travaille tôt la main, là je vais pouvoir encore aller pénétrer plus dans sa garde. Quoi. Et donc automatiquement, si lui il est bien sur ses cannes, ça va faire pépène, ou 6 secondes, ou 6 quarts. Il va travailler très vite. Hein. Là je vais lui faire travailler, je vais lui accélérer sa vitesse de bras, comme au fleuret, on nous fait bosser des fois. Mais là c'est pas une faute quoi. Il est fixé, vous avez vu, il est bloqué quoi. Hein, t'es bloqué quoi. Les jambes elles sont bloquées. Combien de fois on assaut, on est comme ça, on est les jambes bloquées. Il faut bien se défendre avec quelque chose. Donc il faut aussi l'apprendre. Voilà.